Mamadou Dieye Diallo. Waaw, Mamadou Dieye Diallo ñi ko ono woni chef secteur Aïkoy. Chef secteur Aïkoy. Naam. Premier imam Aïkoy. OK, joni min falaw landare do e ko yowondire de kawte modon dum ko société Kobad kono woni ko ardina nokkure nden fewndo saydo yewte men seeda ko hondu woni ko landi don be fewndo saydo taw hara o landi ke ha kono ha joni hebaake taw e juude mabbe tiji buri no me de landi fi mo ko men hebaade juude mabbe tiji tiji men landi kebe de be wallu men men heba lawol premier mi tam en no men lawol mabbe go rewe taake men mi awa joni moddina ne men lawol kam men rewa men waɗi damande men jonni lamɓe ɓe men jonni direction ɗum ha joni ɓe jaabitaki men ɓe jaɓali men wallude ɓenni auto ji amen e moto ji amen rewata ka laayi maɓɓe joni noon kamɓe kaka laayi amen tunuɗi ɓe rewi ha ɓe heɓi kaɓe jooɗo men wowli men ronku men heɓani sabu ko wallito men ɗum noon no soñji men moƴƴa angal laawol ngol hakkunde amen ɗo e sangari mais ni yoɓe moƴƴin laawol hakkunde ɗo e sangariji kam men rewa menen kawte ɗen fof hakkunde dume ɗen si ngol ɗo moƴƴinama janjang sangareji ara e menen ɓerda men no waali e telen ɗon min soñjataɓe ka laayi maɓɓe kono men ronku damande waɗama laamu ngun hollama kamɓe direction maɓɓe Kobad ɓe hollama ɓe nunni kono ɓe ala waɗude no woodi nafoo go koyeɓe woni men e nafude seeɗa min dullanaɓe ɗum ɗon ko heedata ɗon meɗen jogui sukaɓe boosi e nder peerel ji ɗi nayyi tumbodirɗi hakkunde ɗo golloɓe ɓe arday e mum fay koye men sino gollude toon wonay ɗo hitande hara min yaali fay kon aade mabɓe ara wono hande janggotaɓe ɓornimo tenimo ambosayimo gollude minen fayɓe amen no janggui meti ha wawi waɗi testé ha gagni heɓa haali filasi ɓe soomi ɗum ɗon ɓe nota ɗin piiji ɓe ƴetta aade mabɓe si filasi yalti ɓe acca yimɓe leydi ɓen ɗum no soñji men moƴƴa kadi men hollunoɓe yoɓe wallu men ko wonaka communautaire meɗen jogui janguɓe ɓe gollida e mabɓe hara kala ko yaltani yimɓe leydi ɓen minen kadi on ɗon wonana men saabu wallito ɗum ko relation communautaire kono ɓe jaɓali ɗum kadi ɓe salori ɗum noti ɗum jooɗi ɗo ɗum no soñji men mouradou moƴƴu fayɓe amen ɓe wawi métier ɓe jaɓali ɓe golla fay ɓe jippina apprentissage on fof ɓe jippina ɗum jangota mi yiɓe addi aade mabɓe no ɓe ekkutude ɗum ɗum no soñji men moƴƴa min fuɗɗoto wiide min waɗa grève e fino min hejjira laamu ngu ara wiya heƴa hakkude amen wiya min muñño minen min yeddata laamu ngu kono noon ballal ngal no foyjitani men telen ɗo ɓay nokkure nden kaka nokkure amen wona e bonnede canɗi amen bonnama canɗi amen tuninama courant ala ka e nadede ɓay ko hakkunde ɗo e sentier on jipporɗo natuɗon gasare ɗo o yi sifa o sujete sino jooɗi hakkunde ɗo ɗo ko yona hay 1 kilo fotuno hara ɗo no garata no moƴƴina ha moƴƴi ha gasare waɗa courant waɗa courant kono ɗum ɗon fof min waɗi damande men ronku ɗum no anini men mouradou moƴƴu haray son heeɓi feere no wallitoro men ɗum ɗon moƴƴa minen hara meɗen hatton jinni e ɗum minen mako baɓe min gollata hande kadi kono si fayɓe amen ɓen golli min heɓay nafa mum minen kadi ɓe newito men kono ɗum ɗon no soñji men courant ala e sare joni hatta artenge nde toɓɓere ɗo ɓeno fuɗɗino dardal ngol on l'école l'école mo classe tati ha o say ɗo on l'école gasali taw tigui tigui on ko ɗum woni ko fewndi kadi ka l'école toon fewndi ka l'école toon minen ko anini men toon ɓe darni l'école on ɓe yeehi ɓe darni ha moƴƴi kono ɓe waɗali 12 ɓe waɗali logement métre l'école ɗum noon no soñji men minen faalaɓe jannude bayɓe min ala taga komin gollira ɗum komin golliroɓe ɓiira wicca joni sa ala coggu sakun simon kono heɓirta suudu min forasi ala ka l'école l'école ɓen ɗon si ɗon ɗama koyeɓe ƴettu sipaji ɓe doga ɓe ara ga ɓe ñeeɗa ndiyan ko ɓe yara ɗum tardinta l'école jo duusuji ala kadi fay ɓen si yalta e duusu koyeɓe naatu e nde burure ɗum noon bolle fotano san santa aga e burure si ɗum hawri payku ngo ferdata aray ɗum no soñji men mouradou moƴƴur ara meɗen tori koyon wallito men fimu ɓe walla men joni lamɓe men ɓen fewndo sayɗo ɓa haaray ko kamɓe wawata heƴude hakkude meɗen e ɓe arɓe daki ka meɗen ko honɗum marɗon ko yewtom ɓe kamɓe kadi minen komin mari komin yewtaɓe komin toriɓe koyeɓe wallito men minen kadi min heɓa nafa leydi ndi kamin woni ɗon ko ɗum min toriɓe koyeɓe wonan min saabu min heɓa nafa nokkure amen nde minen kadi
men en voye mabbe na kambe tu ko men en voye ma e men tori ko be wallito ma men heba nafa leydi ndi pitaji lanjama kamen tetta no boyle e kapiji iway no ka burure kamen so pay no kolkole dum fo lanjama kare meteno kamen wura kare meteno don tigi kare meteno fo lanjama ala kamen wura yo be wallito men menen kadi men heba nafa suse ton ka nokkuram yayde no hurndi laawi ala hande so nangi di laawi hakkunde ko ciaw yame asikata suse ten joodi kamen awa la jeng on jarama hare me weltani ke modja je m'appelle Elias Jaya Diallo retraité de télécommunication en même temps enseignant à l'école primaire de Aïkoui depuis 2015 d'accord Elias l'année passée vous avez pris quelle classe ici et toujours depuis que je suis là je prends toujours la première année d'accord pour la formation de base d'accord. Et nous sommes devant votre école, l'école primaire de Aïkoui, dans la sous-préfecture de Sangaredji. Et nous voyons l'état vraiment de cette école. Expliquez-nous ici les problèmes que vous avez au sein de cet établissement. Bon, au sein de notre établissement, l'école d'abord a été créée depuis 2008 par la société CIGM, donc qui est Kobad a remplacé. Donc depuis ça, Ils ont fait que le bâtiment, mais le logement, il n'y en a pas, forage, il n'y en a pas, latrine, il n'y en a pas. Donc tout ça, maintenant, nous avons sollicité auprès de la société Kobad pour qu'ils viennent nous aider, afin qu'on puisse faire le logement des enseignants. Parce que actuellement, les enseignants ont des difficultés. Loger jusqu'au village et laisser l'école avec cette distance de 600 mètres, ça les travaille beaucoup. Donc, pas de douche pour les enfants. Quand les enfants veulent faire leurs besoins, il faut qu'ils rentrent dans la forêt. Et nous avons peur de ça, parce qu'il y a toujours des serpents qui arrivent à sortir. Donc nous demandons toujours l'État, particulièrement à ceux qui sont à côté de nous, pour qu'ils nous aident à trouver les moyens d'en faire les classes, les logements des enseignants, et ensuite les latrines et un forage pour l'école. Nous savons que dans votre village, il y a la présence de la compagnie de bauxite et d'alumine de Djandjan. Et expliquez-nous, est-ce que vous avez fait quelque chose avec eux? Vous avez écrit des lettres pour qu'ils vous assistent? Ah, nous avons écrit beaucoup de lettres. Nous avons écrit beaucoup de lettres pour qu'ils puissent nous assister. Mais pour ce qui concerne le logement et les latrines, jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Nous avons demandé de nous envoyer de sable, parce qu'il n'y en a pas vers Sangaredji. De sable, on ne peut pas trouver ça dans l'immédiat. Nous avons demandé de nous envoyer de sable, de nous donner du ciment et quelques matériaux de construction pour qu'on puisse attaquer le logement des enseignants. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu encore succès. Tout récemment, on a envoyé la lettre à la commune pour qu'eux, ici, ils interviennent, afin que la société puisse faire face à cela. Voilà, et vous êtes où avec cette lettre, avec la commune? La lettre se trouve dans les mains du maire, qui est en train de voir comment trouver cette solution. Et il n'y a pas eu de réponse jusqu'à pour présent? Pour le moment, il n'y a pas eu de réponse. Vous êtes enseignant ici, mais vous êtes aussi de la communauté. Je sais que vous faites du bénévolat parce qu'il manque d'enseignants, certainement. Et expliquez-nous aussi cet angle. Quel est le niveau? Vous avez combien d'enseignants ici pour combien de classes? Des enseignants affectés par le département? Par le département, on n'a qu'un seul enseignant, qui est le directeur. Donc c'est le même enseignant qui est le directeur? C'est le même enseignant qui prend deux classes. Cette année, il avait la cinquième année et la quatrième année. On a deux bénévoles. Il y a un, l'autre prend la deuxième année et la troisième année. Moi, comme la première année, il y a beaucoup des enfants. Et les enfants, il faut comment savoir les caresser pour pouvoir les former. Donc moi, j'ai pris les enfants les plus bas. D'accord. Alors, vous êtes vraiment en manque d'enseignants? Et vous êtes. Est-ce qu'il y a aussi des documents pédagogiques, vous en avez? Oui, pour le moment, l'État nous envoie un peu de livres, des cahiers, pour former les enfants. Cette année, ils ont envoyé, en l'an 2022, ils ont envoyé.
actuellement, on forme les enfants à partir de ces bases, avec ces documents. Vous avez 3 classes ici, c'est ce que je vois, mais vous m'avez parlé de la première année jusqu'en 5e année. Comment faites-vous dans 3 salles de classe? Vous avez de classe. Combien de groupes pédagogiques même? Voilà. 5 groupes pédagogiques. 5. Cette année, il y aura la 6e année. Donc, le directeur a pris 2 classes. 5e et 4e. Donc, il fait la rotation. D'accord. La deuxième salle, on a la deuxième année et la troisième année. Nous aussi, comme l'autre, l'enseignant qui prend les 2 classes, il est un peu éloigné. Le soir, je viens enseigner une classe. Et la première année, je prends de 8h jusqu'à 13h. D'accord. Comment ça va entre vous et le directeur, le monsieur qui a été envoyé par l'État? Est-ce que les relations sont bonnes? Non, très bon. C'est quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui aime son métier, c'est quelqu'un qui est vraiment efficace, il enseigne très bien et il forme très bien. Tout ce que vous voyez actuellement qu'on a entrepris au niveau de l'école, c'est lui qui nous a encouragés. Faire le soubassement pour les enseignants, c'est lui qui nous a encouragés. Faire les confectionner des briques, cuire les briques, c'est lui qui nous a encouragés. Je peux dire que si on suit ces décisions, l'école va bien réussir. Mais il y a des problèmes au niveau de nous. À votre niveau. À notre niveau. Nous, les citoyens. Parce que moi, je suis de la PAE, je suis enseignant, je connais les deux parties. Mais on a des difficultés, nos parents n'encadrent pas les enseignants. S'ils encadraient les enseignants, aujourd'hui, le directeur qui est là, qui aime très bien enseigner, qui aime bien le village, il serait déjà logé. Parce que depuis qu'il est venu, il n'a jamais voulu quitter. Il est logé à l'hôpital ici. On a pris des gens de l'hôpital pour nous aider, pour qu'ils logent là-bas. Il dit qu'il préfère loger à l'école là où il enseigne. Là, le soir, il peut faire venir les enfants et les encadrer la nuit. Donc tout ça là, c'est quelque chose, c'est des bonnes idées qu'il nous a initiées. C'est des bonnes idées. Il nous a formés, nous aussi qui n'étions pas formés pour ça. Il nous a montré comment enseigner. Il nous a montré comment former les enfants. Comment attirer l'esprit d'un enfant. D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir l'effectif? Je sais que vous n'êtes pas le directeur. Est-ce qu'on peut savoir l'effectif total? Au moment de la fermeture, nous avions un effectif de 126 élèves. Pour 5 groupes pédagogiques? Pour 5 groupes pédagogiques. D'accord, ça marche. Bon, à part les classes, le manque de salles de classe et les besoins de logement et de latrine, est-ce que vous avez d'autres problèmes pour l'école? Les problèmes qu'on a, nous voudrions que vraiment que l'État nous affecte des enseignants. Parce que actuellement, les gens, les citoyens ne peuvent pas payer un enseignant, surtout vers chez nous ici. Mais si l'État nous affecte les enseignants, nous allons demander aux citoyens de tout faire pour encadrer ces enseignants-là, pour ne pas que l'école soit fermée. Monsieur Ibrahim Tamara, fonctionnaire à l'État, personne ressource à Haïti. D'accord. Et là, j'avoue, vous êtes, comme vous l'avez dit, une personne ressource ici à Haïkoui. Et vous avez une société minière dans votre localité. Oui. Expliquez-nous quelles sont vos relations avec cette société. Bon, avec la société Cobalt, on avait bien débuté. Mais je crois que depuis qu'il y a eu changement des premiers responsables de la société, nous avons constaté quelques lacunes. Néanmoins, malgré tout, nous collaborons. D'abord, problème d'emploi souvent qui se pose. Nos jeunes, nous regrettons un peu le fait que nos jeunes ne soient pas tellement dans la boîte. Et cela à cause de quoi? C'est pas du fait que la société elle-même ne veut pas employer. Mais vous savez, souvent avec certains de nos frères, il y a des choses interposées.
Mais malgré tout, nous sommes en train de sensibiliser. Maintenant, là, nous avons quelques-uns de nos éléments qui travaillent. Et on a plaidé le sort des autres enfants aussi pour l'affaire d'apprentissage de métier. À chaque fois, ils acceptent. Mais dès qu'il y a un petit incident ou accident dans eux, on dit que c'est les apprentis, on les repousse. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons passé par les relations communautaires. Et eux aussi, ils ont exigé désormais des dossiers au complet pour qu'ils puissent apprendre des enfants au métier. C'est la dernière nouvelle, c'est la dernière application qu'on est entré, avec laquelle nous sommes rentrés en ce milieu. D'accord. Est-ce que par rapport à leurs employés qui sont là, est-ce qu'on peut comparer un peu les employés venus d'ailleurs et ceux qu'ils ont pris dans votre localité? Par exemple, donc, vous pouvez prendre ici des hommes de métier, même les gens qui restent, les vigiles par exemple. Mm-hmm. Est-ce que tout ça, ça est dans la société? Oui, les vigiles, parce que c'est une société de sous-traitants. Et aussi, nous travaillons ensemble. Mais là, comme c'est un emploi local, ils ont souvent recruté nos parents. C'est les jeunes de la contrée, pas Aïkoué seulement, mais Aïkoué et les environs. Oui. D'accord. Et par rapport au contenu local, qu'est-ce qu'ils font dans votre village? Par exemple, les puits ou bien les forages, est-ce qu'ils font les écoles, est-ce qu'ils font ça pour vous? D'abord, avec le contenu local, ils ont réussi à construire une école pour Aïkoué Centre. Mais une école incomplète parce qu'il n'y a pas de toilettes. Une école, disons, qui était financé à la hauteur de 70 000 dollars. Donc il fallait complètement travailler l'école, la construire, mettre des choses, comment, les latrines, les logements des enseignants. Mais ça a coïncidé que la société voudrait s'arrêter. Le directeur d'alors, M. Abidjan, a profité pour juste terminer l'école. Et le reste, là, il n'y a pas eu compte rendu jusqu'à présent. Ah, là aussi, c'est seulement trois classes. Avec 70 000 dollars, c'est trois classes seulement. Et une direction. Mm-hmm. C'est ce qui a été construit. Est-ce que vous aviez vu cet argent? Comment vous avez compris que c'était 70 000 dollars? C'est ce qu'on nous avait annoncé. Mm-hmm. Mais la COBAD a un système de contrat. Même si la COBAD te donne quelque chose, c'est elle qui gère, c'est elle qui travaille, c'est elle qui rencontre, même s'il y a reste, c'est elle qui sait. On te dit le contenu, mais tu n'as pas une même mise sur la situation. Vous ne trouvez pas ça comme un souci? C'est un souci pour nous, c'est un souci. On a fait des reproches, nous avons, même là où je vous parle, j'ai une lettre en instance qu'on devait leur adresser pour compléter les infractions restantes. Et l'école aussi, je notais bien, ça c'est à l'issue d'une manifestation populaire. Nous avons pu gérer la manifestation, ils sont venus, ils nous ont parlé de choses. Ils nous ont parlé de terrain de football et autres. Nous avons dit, avant qu'il n'y ait terrain, nous n'avons pas de coffre. Mm-hmm. On a passé par l'école, ils ont accepté encore pour un terrain de football qu'ils n'ont pas encore, qui devait être aménagé. Mm-hmm. Que ce n'est pas fait, je crois que vous avez vu. Oui. Bon. Donc, à cela s'ajoute, ils ont encore accordé un forage qui est à côté de la mosquée ici. En plus, chaque fois qu'il y a la fête de Tabaski, on nous envoie quelques denrées alimentaires suivies de quelques sommes. Mais Elhadj, avec tout ce qu'ils gagnent chez nous ici, est-ce que vous pensez que ce qu'ils font ici au retour, c'est suffisant? Et par rapport à leur rendement, par rapport à ce qu'on nous disait au départ, que COBAD est une compagnie qui est égale à 10 fois la CDG. Donc nous en avons entendu parler. Mais vous avez vu même les routes entre nous, ce n'est pas ça. Ouais. Donc, même si nous posons un problème, il faut vraiment chaque fois partir, défiler, et des fois ça ne voit pas le jour. Parce que nous avons des promesses qu'ils ont tenues, et jusque-là, ce n'est pas réalisé.